Volkswagen supprime des effectifs pour réduire les coûts de personnes et de main-d'œuvre. Ah voilà, ils vont virer des gens maintenant. Hein. La direction et les représentants des salariés de Volkswagen ont récemment discuté de l'avenir de l'entreprise et sont parvenus à un accord pour améliorer les performances. Les deux parties ont convenu de réduire les effectifs à partir de janvier 2024. Volkswagen prévoit de réduire ses coûts de personnel administratif de 20%. L'ancien équipementier étendra son régime de retraite partielle aux salariés nés en 1967 et aux salariés lourdement handicapés nés en 68. Volkswagen proposera des accords de résiliation sélective à tous les niveaux. Si nécessaire, la société déclare qu'elle ne mettra pas en œuvre de programme général d'accord de résiliation. Volkswagen n'a pas l'intention de pourvoir, pardon, les postes vacants avec des travaux extérieurs au groupe. Il prévoit de pourvoir les postes vacants via le marché du travail interne de Volkswagen. Le constructeur automobile allemand maintiendra son gel des embauches et de l'accès au groupe salarié Tarif Plus jusqu'à nouvel ordre. Bon, après, c'est le communiqué. C'est un peu pompeux, hein, on s'en fout quoi. Voilà, donc Volkswagen, ça continue d'aller mal. Hein. Toujours plus. Je vous laisse commenter.